parti pour une nouvelle vidéo sur StumbleGaze. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle map qui n'est pas encore sortie officiellement, The Other Side. Et on va tenter de faire le world record, mais surtout d'avancer le plus possible, parce que apparemment, non, je suis déjà mort. Mais apparemment StumbleGaze, en fait, la dernière fois que j'y ai joué, donc on a joué quoi, peut-être 10 minutes, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, jusqu'à la fin du jeu. Parce que plus on avance sur cette map, plus elle devient incroyable. Regardez, déjà ici on a des explosifs. Oh, je suis encore mort, mais ça va beaucoup trop vite. Et du coup aujourd'hui je vais vraiment jouer longtemps pour absolument découvrir tous les modules différents de ce mode de jeu, parce qu'apparemment il y en a vraiment plein qu'on n'a pas découvert la dernière fois. Normalement j'en connais un qui pourrait arriver dans cette vidéo et ça serait incroyable. Mais bon, il faut aussi un peu de chance, mais surtout il faut survivre assez longtemps. Mais on va surtout y jouer parce que déjà la map elle est ultra fun. Oh, c'est moi, je me suis pris un punch par un poulet. Quoi? Quoi? Je me suis fait allumer par une poule. Oh là là, c'est incroyable. En tout cas, tu mets ton gros pouce bleu et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait très très plaisir pour que je continue à faire ces petites vidéos. Mais là, je suis trop content de pouvoir jouer à cette map, elle est incroyable. Regardez, là, il y a le requin. Oh, j'ai plongé chez le requin. Oh, le bateau pirate. Oh là là, il est incroyable. Ça déjà, je sais pas si on l'avait vu l'autre fois, le bateau pirate, ça me dit rien du tout, c'est une dinguerie. Mais normalement, ce qui pourrait arriver, c'est encore mieux. En tout cas, j'adore. J'adore cette map, je lui donne vraiment un bon... Quoi? Je suis mort, j'ai plus qu'une vie. Oh là, je pense pas que ça va être dans cette partie le world record. Mais bon, c'était pour discuter un peu. Là, ils nous ont lâché des sacs poubelles. Mais ce mode de jeu, je lui donne presque un 10 sur 10. Parce que franchement, la map, elle est beaucoup trop fun. C'est bon, je suis pas mort. Ok, on est bien. On est bien, les gars. On avance. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est le camion poubelle. Est-ce que c'est le camion poubelle? Oh, let's go, j'ai fait top 1. Oh non, mais par contre, faut que les bots, ils résistent plus longtemps, parce que là du coup le world record ça va être compliqué. Après il faut savoir que cette map c'est pas forcément le plus longtemps que vous tenez dessus que vous allez avoir les obstacles les plus incroyables. C'est aussi un petit peu de l'aléatoire. Comme StumbleGaze l'ont dit, cette map c'est jamais la même chose. Voilà, c'est toujours différent. C'est vraiment un système qui fonctionne très spécialement. On peut pas le comprendre comment ça marche. Voilà, tu vas jamais pouvoir prédire qu'est-ce qui va arriver après. Et donc ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, bah si on a un petit peu de chance, on peut tomber dessus. Bon allez, en tout cas on va tenter le top 1. Ouah, c'est une limousine ça carrément, c'était super stylé. Allez, on avance, on avance. À part ça, il y avait une nouvelle que je voulais vous parler. J'ai activé les subs sur cette chaîne. Ceux qui savent pas ce que c'est un abonnement que tu payes sur la chaîne en fait. Et j'ai mis vraiment le moins cher possible. Donc je crois que c'est 90 centimes que vous payez une fois. Et en fait vous allez avoir des avantages sur la chaîne. En fait je trouvais ça vraiment juste trop stylé, les avantages qu'on pouvait avoir. Du coup bah j'ai mis l'offre la moins chère, mais je pouvais pas mettre le prix encore plus bas. Donc voilà, je suis désolé les gars. Pour ceux qui peuvent se le permettre, et ben c'est très cool, parce que vous allez avoir plusieurs avantages. Oh, let's go. Ok, bon, en attendant on avance sur cette map. Comme déjà vous allez avoir une petite couronne StumbleGaze ultra stylée à côté de votre pseudo quand vous mettez des commentaires ou pendant mes lives. Aussi de temps en temps dans le mois on va jouer ensemble. Oh, je suis encore mort. Je vais envoyer des codes à tous les gens qui sont sub à la chaîne. Aussi il y aura la possibilité en fait maintenant pour faire épingler votre commentaire, et ben ça sera en priorité ceux qui ont un sub, voilà, pour vous remercier un petit peu. Donc si vous mettez un petit commentaire sympa, bah peut-être je l'épinglerai. La fonctionnalité surtout que je voulais mettre aussi, c'est que vous allez pouvoir mettre des petites émotes StumbleGaze dans les commentaires. Et ça en vrai je trouve ça trop stylé. Non, en vrai ce que je préfère le plus c'est vraiment juste que vous ayez la petite couronne StumbleGaze à côté de votre pseudo et les petites émotes. Voilà, je trouvais ça super fun. Mais vraiment ne vous sentez pas du tout obligé à prendre ce sub, hein. C'est vraiment pour ceux qui veulent se faire kiffer, et moi je trouvais ça assez drôle. Et je suis désolé que je peux pas le mettre gratuit. Franchement j'aurais préféré mettre ces fonctionnalités gratuites, mais vraiment le minimum c'est 90 centimes. Ok, par contre on avance, là il y a plein de camions. Oh mais on est encore qualifié. Oh là là, mais les bots ils sont trop nuls. Faudrait limite que je me trouve un joueur. En vrai on va continuer les parties, on va juste croiser les doigts pour tomber sur ce que j'ai envie de vous montrer dans cette partie. Mais allez, juste un petit peu de chance, j'ai équipé le petit skin. En fait c'est une collection Halloween, j'ai entendu. Bah c'est vrai qu'il fait assez peur ce skin. On a aussi les skins Schtroumpf. J'ai vu que en vrai il y a certaines personnes d'entre vous, vous aimez bien la collab avec Schtroumpf. Donc j'étais assez étonné. Dites moi de nouveau en commentaire qu'est-ce que vous pensez des skins Schtroumpf avec StumbleGaze. Moi j'étais pas ultra fan, après c'est vrai que c'est rigolo. Oh, ok, en fait ça nous fait glisser quand on est sur la flaque. Je sais même pas ce que c'est, une flaque de quoi. Oh là là, je me suis fait allumer. Et sinon, autre nouvelle intéressante, normalement je crois qu'à partir de demain, il y a la open beta qui sort. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de jouer sur cette map et on va pouvoir jouer ensemble aussi. Ça, ça va être très très cool, faudra qu'on se fasse une fois un live où on joue ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, non.
ces derniers temps, j'ai vraiment, je suis en galère niveau timing. Donc je pense que les lives, ça sera peut-être dans une, deux, trois semaines à venir. On verra quand peut-être il y aura de nouveau des vacances scolaires. Oh, on va se régaler les gars, on va tout jouer ensemble, ça va être super fun. Peut-être un jour un live 24 heures pour les 200 000 abonnés, à voir les gars, à voir. Peut-être pour fêter le jour où j'aurai le code créateur, si ça arrive une fois. Et ouais, je commence à perdre espoir. Oh, non. Par contre, je crois que je vais même pas faire top 1 là. J'ai plus que 2 vies les gars. Ok. Bon, de toute façon, moi je veux juste vraiment, en fait, j'ai pas envie encore de vous spoil, mais bon, si on tombe pas dessus dans cette vidéo, et ben je vous raconterai qu'est-ce qu'on peut rencontrer sur cette map. Mais j'ai vraiment envie de vous le montrer parce que normalement c'est ultra stylé. Oh, par contre là, il y a plein de voitures. Ok, on saute, on saute. Oh, il y a rien qui se passe là? Ah si, c'est bon. Hop, on prend le petit boost là, les égouts. En vrai, c'est pas mal cheaté. Oh, c'est bon, on est passé. C'était chaud. Mais bon, en tout cas, c'est très très cool et je suis content. Ce week-end, je vous ai sorti les vidéos sur la chaîne principale, mais aussi une petite vidéo sur la chaîne secondaire Kefko 2.0 et sur Stumblemania. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ma chaîne de compilation de vos clips sur StumbleGuys. Et on a encore fait top 1, mais on n'arrive pas à voir ce que j'ai envie de vous montrer, c'est pas possible. Bon, on est quoi sur le 5e essai, je crois là on a enchaîné les top 1. Mais en vrai c'est compliqué de faire un world record sur cette map, parce qu'en fait il ne compte pas les manches et même les niveaux. Bah ça s'accélère un petit peu, mais je pense que les bots ils meurent trop rapidement. Limite, bah dès qu'il y aura la open beta, on refera le test avec plein d'abonnés. On va essayer de tryhard ce mode de jeu. Mais je sais que ce que je veux vous montrer, c'est possible de le voir. Même si on reste pas une heure sur la map, il faut juste un petit peu de chance. En fait je sais que c'est vrai parce que je l'ai vu sur une vidéo à une autre personne que c'était possible d'avoir ce petit événement un peu si on veut sur cette map. Donc on va juste jouer jusqu'à ce que ça arrive et je n'arrêterai pas tant qu'on n'a pas ça. J'ai pas envie de vous le dire parce qu'après ça va vous gâcher un petit peu la surprise. Mais bon, au pire, si on peut faire des top 1, moi de toute façon cette map je la trouve ultra fun à jouer. Elle est inspirée du jeu Crossy Road. Je sais pas si vous le savez, mais c'était un jeu vraiment super populaire. Si je me trompe pas, il est sorti sur mobile d'abord. Vous êtes un petit poulet et en fait il faut traverser la route. Bah StumbleGuys l'ont dit que c'était inspiré de ce jeu. Enfin ils l'ont pas clairement dit, mais ils ont fait plein de petites références aux messages qu'ils nous ont envoyés. Puis voilà, on le sait, mais ils l'ont quand même fait à leur sauce. Et c'est ça qui est bien. En fait, tu peux reprendre un concept déjà existant s'il est bien, mais il faut le refaire à sa sauce. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Oh, là, on a un double bateau pirate. Wow, mais c'était impossible. C'était impossible à passer, vous avez vu tous les bateaux. Oh, bon ça déjà je crois qu'on n'était pas tombé dessus l'autre fois, donc je suis content qu'on l'ait eu. Mais c'est toujours pas ce que j'ai envie de vous montrer. Mais de toute façon vous inquiétez pas, hein, je vais jouer jusqu'à ce que ça arrive, hein. Je suis pas d'accord de vous teaser le truc pendant toute la vidéo pour que même pas vous le voyez de vos propres yeux. Oh, qui en fait, regardez ces camions, j'ai cru que c'était des camions poubelles, mais c'est des camions lavage, en fait des stations de lavage. Et c'est pour ça en fait elles lâchent de l'eau un petit peu avec du savon à mon avis, et du coup on glisse dessus. Ok, ok, je viens de comprendre. Bon, c'est assez sympathique en tout cas. Moi, j'ai cru que c'était le camion poubelle. Hop, allez, on va aller sur le gros saut. Wouh. Ça, c'est ultra fun à part ça à faire. Let's go. Faudrait enchaîner le plus de toboggans possible. Pour l'instant, on en a fait deux d'un coup. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Là, il y a les requins de nouveau. Oh, mais regardez, ça, c'est les requins de la map bombardement. Hein. Oh. Par contre, waouh, parfois c'est super dur encore du top 1, mais c'est pas possible. Ah, mais je sais c'est quoi le problème, c'est le skin. Le Scary Gargoyle, il est pas bien, il nous faut le skin Splurgot. Oh là là, lui c'est sûr, on va voir l'événement. On dirait un commentaire qui m'avait vraiment fait rire dans l'une de mes précédentes vidéos où justement j'ai joué sur cette map. Il y a quand même un d'entre vous qui m'a dit, eh mais fais un cache-cache sur cette map. Frérot, comment ça un cache-cache sur cette map? J'arrive déjà à peine à résister. Voilà, je me suis fait écraser. À quel moment on peut faire un cache-cache ici? Vraiment, il avait totalement craqué. Mais bon, ça m'a bien fait rire. Vraiment, vos commentaires, parfois, je vous jure que je rigole tout seul devant. Bah, c'est assez marrant. C'est assez marrant. De toute façon, sous chacune de mes vidéos, à chaque fois, je lis la section commentaires. Je mets des petits likes. Je sais que je réponds pas énormément, à moins si vraiment c'est une question. Mais je mets plein de petits cœurs. Comme ça, vraiment, je peux lire quasiment, bah, en fait, tous les commentaires. Bon, par contre, StumbleGuys, ils sont très gentils avec leur nouvelle map. Mais donnez-moi ce que j'ai envie. J'ai envie de vous le montrer. Bon, en vrai, si vous avez bien ouvert les yeux depuis le début, il y a un petit indice et vous pouvez deviner ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà, j'en dis pas plus les gars, j'en dis pas plus. Je vous garde la surprise, mais de toute façon je vous ai dit, hein, je peux jouer encore 3 heures s'il faut, juste pour pouvoir vous montrer le moment où il y a l'événement. J'appelle ça un événement parce que j'ai pas envie de vous spoiler en vous donnant trop d'indices. Oh, ok, là il y a le camion vert, hop, émo de ballon. Oh, les gros tuyaux. Oh,
Oh c'est bon, on est passé. Bon, ça demande beaucoup de concentration cette map, hein. Je vous jure, vous êtes pas attentif pendant quelques secondes, vous êtes mort directement. Bon par contre, je crois qu'on va repartir sur un top 1. Et voilà, mais c'est pas possible, c'est autant rare que ça d'avoir ce module. Bon là, avec le nombre de parties que j'ai fait, c'est sûr que j'ai le world record sur cette map. En même temps, moi je suis toujours le premier qui joue sur les nouvelles maps. Et du coup, je fais les world records, mais dès qu'elles sortent pour vous, ah bah là, je me fais dépasser en 2 secondes. Mais bon, laissez-moi mes petits jours de gloire, moi ça me fait toujours très plaisir. Vous savez quoi, là en attendant, on va tenter de faire une fois top 1 en gardant nos 5 vies sur ce mode de jeu. Franchement, ça semble assez compliqué. Oh non. Vous l'avez vu, je me suis fait feinter, je me suis dit je vais me faire éjecter. Mais non, le gaz s'est enlevé à la dernière seconde. Bon, j'ai perdu une vie, c'est pas très grave. Vous savez quoi, j'ai pris une décision, je vais maintenant tryhard ce mode de jeu et je vous reprends directement une fois qu'on a l'événement que j'ai envie de vous montrer. Several days later. Bon les gars, ça fait un petit moment que je vous jure, là ça fait quasiment 1 heure que je suis sur cette map. Elle est très cool, mais je commence à en avoir un peu marre, surtout que j'arrive pas à voir ce que je veux vous montrer. Mais bon, je vais déjà vous l'expliquer. En fait, si on a un petit peu de chance, il y a moyen que les aliens débarquent sur cette map avec des soucoupes volantes. Et pourquoi je vous avais dit que regardez bien la vidéo, il y a plein d'indices. Et ben regardez à ma gauche, en fait, il y a les petits aliens. Oh, je suis en train de me faire allumer. Et c'est écrit en anglais. Est-ce que vous les avez vus? Eh ben non, pour l'instant, on n'a vu personne. Mais normalement, ils devraient arriver. En tout cas, j'espère qu'elle arrive dans cette partie. Et sinon, bah malheureusement, je laisserai tomber. Mais je pense qu'on a quand même, pour l'instant, le world record sur cette map. Et ça, ça fait très plaisir. Mais je me demande quand même, est-ce que plus on joue, plus la map s'accélère? Et ça, en vrai, ça sera à tester après, comme je l'ai dit, quand il y aura les abonnés et tout, on jouera ensemble. Et on fera vraiment des parties où on va essayer de rester super longtemps en vie. Mais bon, là c'est pas trop possible vu qu'il y a que des bots, donc des faux joueurs, des robots qui sont avec nous. Et ben ils meurent assez facilement comme... Allez les aliens là, vous êtes où? Je sais que vous êtes cachés. Bon, on a les requins, mais c'est pas exactement ce qu'on voulait. Oh, j'ai encore mes 5 vies. Je crois que je vais gagner avec les 5 vies les gars. Let's go! Incroyable. En tout cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo BG. Mets ton gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et passe une bonne journée. Allez, ciao!